Kono Mista Satanio. C'est pas ça, Tamir. Je l'ai pas vu en vrai, celle-là, parce qu'elle était jamais en magasin. Tico. Yo les Saiyans et bienvenue sur J-Connection pour un J-Collection où l'on va découvrir cette magnifique figurine qui nous a été offerte en convention. Ça fait un mois, on l'avoue, mais on était très pris avec convention, montage vidéo, live, enregistrement de nouvelles vidéos pour DB Times. Du coup, bah, il n'y a pas eu beaucoup de production vidéoludique, non parce que c'est pas du jeu vidéo, mais vidéo sur Dragon, sur J-Connection. C'était des vidéos qu'on a enregistrées à la même période finalement qu'on a eu cette figurine. Voilà, donc c'est le Mister Satan de la sculpture de la 7ème série, donc la toute dernière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est prometteuse rien qu'à voir la boîte. Merci à Arnaud hein, qui est venu. Ouais. C'était à Valence, on était à la Manga Galaxy. Il vient comme ça. Il nous demande pour les dédicaces, tout ça. Mais il vient, il nous fait tenez, je vous ai ramené un truc et tout. Il fait je vous ai ramené ça. Il nous donne un sachet. Je viens de l'acheter ou un truc comme ça, il nous a dit, je crois. Merci Arnaud, t'es un malade. On a dit t'es fou, garde-la. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a fait je vous la donne, c'est pour vous, vous la ferez sur J-Connection et tout, je sais que vous aimez et tout. Et ça tombe bien parce que bah tu ne l'avais pas. Je l'avais pas. T'as commandé les sculptures 7. Ouais, le donc, 7 complet que on je devrais pas avoir. Encore. Parti en bateau. Parti en bateau depuis 2 mois, mais c'est très long le bateau. 2 mois. Ouais. Ah c'est super long, ça peut aller jusque entre 1 et 3 mois. Donc je suis pas pressé. Mais... Priez dans les commentaires, comme ça on vous fera un unboxing à des autres sculptures 7. Y a qui? Y a Broly qu'on voit derrière. Y a Broly, y a Bulma, y a Piccolo, y a Goku en position de combat contre Vegeta. Position fétale. Y a donc Mister Satan. Bah, a priori, moi j'ai Broly que vous voyez juste là. Vous avez un unboxing, vous le retrouvez sur la chaîne de l'autre côté, de son côté à lui. Là voilà. Et Mister Satan maintenant qu'on va découvrir. Et je vais vous le dire. T'es Gohan. Quand? Gohan Super Saiyan 2, tu l'as vu? Ah, mais ouais, mais ils le savent pas ça. Donc pour l'instant, je l'ai pas. Vous verrez, les vidéos, chaque chose dans son temps, on va pas spoiler les prochaines vidéos. Mais là tu viens de le faire, mais c'est pas grave. J'ai dit un truc moi. Là, sachet bam presto, hein, comme d'habitude dans les boîtes comme ça, il y avait un petit carton qui permet de maintenir la boîte. Et le Mister Satan, j'allais y venir, c'est l'une des plus belles certainement figurines de Mister Satan avec la résolution au sol. On peut dire merci à bam presto d'avoir commercialisé la figurine du coup. Merci à Arnaud aussi. Merci Arnaud. Merci. Parce que franchement, t'assures, c'est l'une des plus belles qui existe sur Satan. C'est ça, y a pas à tortiller. Tortillas. Vous allez voir. On va la monter et on revient dans quelques instants. Dégomme. Akira Toriyama, et je le sens dans cette figurine, quoi. C'est le Mister Satan. Putain, d'Akira Toriyama. Il est magnifique. Je vous le montre là, mais vous n'allez pas voir grand chose. Heureusement, vous avez des photos qui vont s'afficher pour affiner un peu tout ça. Oh il est superbe. Putain, les yeux sont peints, c'est pas des autocollants. Putain, les yeux sont peints, les yeux bleus de Satan. Tu sais que je me demande si je la préfère pas à Broly. Ah, je la préfère à Broly. Tellement. Alors, il y en a qui vont dire oh, t'es fou, c'est Broly. Mais l'originalité, les gars, putain, on a un Mister Satan sorti de nulle part, magnifiquement réalisé, fidèle au perso, mis en avant. Ils sont pas tombés dans le côté comique, ils sont vraiment tombés dans la gloire du Mister Satan qui fait partie des persos préférés d'Akira Toriyama. Magnifique. Franchement. Là, le sculpteur a fait un travail de fou furieux. Malade. Regardez les photos. Regardez le visage, les cheveux. Pendant que j'enfonce la perche dans son derche. Le doggy, même les chaussures. Regardez ce sourire creusé. Il est magnifiquement réalisé. C'est vraiment une grande figurine. Alors, faut pas avoir peur d'enfoncer. Hein. C'est ma crainte toujours, hein, vous savez. Sors pas sans contexte cette phrase-là. De péter la tige, évidemment. Mais faut pas avoir peur de le mettre dans son derche. Voilà, et ensuite ça se met tout simplement sur le socle et vous voyez les photos qui s'affichent en même temps du Mister Satan sur son socle. J'adore. Regarde les muscles même du bras là. Les veines. Oh là là. Regarde là. Les veines sur son bras. Ouais bah j'ai la même autre côté mais c'est son Mister Satan. Bali bali. Je vais pas y aller par 4 chemins. Pourtant, je vais balancer ma note directe. Bon, il y a 2 chemins. Il y a 2 chemins. Mais là il y en aura qu'un. Je mets 10. Alors moi je vais
Je vais te dire pourquoi. Tu pourras donner ta note. Vas-y. Parce que des figurines de Mister Satan, il n'y en a quasiment jamais. De cette réalisation, on peut y trouver des petits défauts. Si on met son doigt dessus, tu veux dire, ah ouais, mais regarde là, il y a un petit machin, etc. Mais franchement, moi, ce que j'attends, c'est que quand je claque une figurine de Mister Satan que j'ai très peu, je la pose dans ma vitrine, que quand je le vois, je fais, putain, il envoie du lourd. Là, ça envoie du lourd. Et quand ça me fait cette sensation-là, tac, je claque un 10. Secret champion, Mister Satan. Ah, elle est magnifique. C'est ça, on entend Daisuke Goli et tout. J'entends plus Daisuke Goli que son CU actuel Ishizuka Unshou. Tu peux reprendre ton idée. Non, j'avais pas lancé d'idée au préalable déjà. J'allais juste dire que le point faible de la Broly, c'était la peinture, rappelez-vous. Le fait que ce soit trop uniforme. Sur le Mister Satan, il y a toujours cette uniformité. Sauf que, comme il y a beaucoup plus de relief de tissu que vous voyez justement en photo, et vous voyez là, et ben ça crée de l'ombrage. Les ombrages tout seul en fait. C'est-à-dire le sculpteur est tellement balèze qu'il crée les ombrages lui-même dit, avec les veines et les muscles. Je vais pas me casser le cul avec la peinture, c'est alors ça. Je vais faire des creux. Et c'est comme ça sera sombre. Et la seule démarcation visible qu'on voit, en fait, faut vraiment foutre l'œil dessus, c'est sa tête. Juste là, on va vous faire une photo de toute manière. Il y a une démarcation, la tête ne se décolle pas, mais elle est, on la voit là, voilà, au niveau du torse. Mais faut vraiment foutre l'œil dessus. Il n'y en a pas une seule autre. C'est-à-dire que c'est du travail de malade. Et c'est la sculpture qui fait tout, la bouche creusée, la grosse touffe de cheveux. Même les cheveux, ils sont un peu granuleux, ils sont en point. Je suis convaincu. S'ils n'ont pas compris que t'adorais. Ah, mais je suis convaincu. Mais parce que ça fait combien de temps, frère, qu'on dit, donnez-nous du Mister Satan, du Blue. Des figurines qu'on ne voit pas. La bouillonne, j'attends. On ne voit pas. C'est Goku. Quand tu veux bouillonne. Goku, Vegeta, Frieza. Goku, Frieza, Gohan, c'est... Goku, Vegeta. Prenez absolument toutes les figurines de Dragon Ball. C'est comme il a dit Goku. C'est Goku Super Saiyan, Frieza forme finale. Goku Super Saiyan, Frieza forme finale. Goku normal, Goku Super Saiyan 3. Vegeta, oula. Super Saiyan. Goku Super Saiyan 3. Goku normal, Frieza forme finale, ouais. Golden Frieza. Voilà, ça c'est toutes les figurines de Dragon Ball. Il y a eu Piccolo et Trunks du futur. Voilà. Il faut les attendre 3 ans. Voilà. 3 ans donc, et quand ils on nous donne ça, voilà. Enfin, un perso qui est totalement proposé, c'est rare. C'est normal qu'on soit content de voir d'originalité. Enfin, si t'es une collection Dragon Ball et que t'es comme nous, que t'aimes collectionner tout ce qui passe, tu ne peux qu'être content d'avoir enfin de la diversité. C'est ce qu'on attend tous dans une collection. Ouais. On n'attend pas d'avoir 800 000 Goku différents, un comme ça. Wesh, bientôt tu vas faire ça avec tes figurines, t'auras un film ou quoi. C'est ça, mais surtout que Goku, ils nous font tout le temps les mêmes, même Frieza, je vais vous dire, même Vegeta maintenant. Vegeta, c'est ça. Des Goku Kamehameha, on en a combien? 158 000 à peu près. 159 500, à peu près, je crois. Des Frieza forme finale en train de faire ça. On en a combien? À peu près 162 000. Voilà. Vegeta Final Flash et Vegeta Pose Sobre en Super Saiyan, on en a combien? 82 000. Voilà, c'est ça. Donc la Mista Satan, c'est la seule qui existe comme ça, elle est magnifique. Achetez-la. T'as pas mis ta note? Bah je sais, tout le monde l'attend, c'était pour le suspense. Ma note, ce sera... Roulement de tambour. 11. Voilà, alors là, je mets en galère et le monteur et lui. Ouais, parce que ça veut dire que les animations du Skywalker que vous voyez n'est pas au moment où on en parle, n'existe pas. Voilà. Donc je vais peut-être créer une petite animation pour l'occasion. Alors vous verrez, soit elle sera faite, soit elle sera pas faite. Mais j'aimerais bien que quand c'est du 11... Fait exploser le Skywalker. J'allais venir. Si c'est du 11, que le Skywalker explose. On va voir si j'y arrive. Voilà, bah Jean-Noe, notre moteur... Si j'y arrive pas, tu mets pas ce passage, Jean-Noe. Désolé de t'avoir mis en galère. Je parle à notre monteur, justement. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et merci à Arnaud. Grâce à lui, on a pu faire cette vidéo. Et vous avez vu qu'on est super... C'est Kai Champion. Oh non, non. Mister Satan. Oui. M'entendez.